Hey, comment vous allez? Évidemment, on fait un test sur le son, vous me racontez si tout va bien et on commence tranquillement Rogue Legacy. Alors évidemment, le but, hein, c'est de tuer Kidra avec ce premier mec, ça serait idéal. Et pourquoi du Rogue Legacy et pas du XCOM? Parce que pourquoi pas un peu, c'est pour ça. Ah putain, c'était plutôt bien parti. Ah, c'est des salles intéressantes, hein, il faut l'avouer. Ça commence bien. C'est sérieux là? Un assez mauvais départ dans ce jeu. Mais alors? Ah, ça m'emmerde un peu, mais c'est pas grave. Putain, j'ai vraiment rien eu. Aucune importance. Mais 2015 dégâts quoi. Ça va? T'as pas l'impression d'exagérer? Salut Soup, salut Darky. Salut l'autre Kaline. Ah, ça buff à mort, ok. J'en suis navré, écoute. Ah putain, retourne-toi. Pourquoi je le tue pas en un coup maintenant? De coups, je veux dire. Ah putain. Ah ce jeu. Chez toi ça bouge pas. Pourtant les mecs là je pourtant ça stream pas. Ça y est, ça y est, c'est bon. Ça a l'air bon. Le temps que le stream se mette en place. Salut Darky. Racontez-moi, hein. On fait tranquillement du... putain, 200 déjà, c'est dingue ça. Alors, il faut peut-être leur mettre 3 coups maintenant pour une raison inconnue. Pour une raison qui m'échappe. Ah non, je capte rien. Mais pourquoi il me touche, lui, enfin? On voit les jeux que Cellar Door Games sont développés. Salut Narium, comment ça va? Pam, poum, pam, poum. Ah, j'ai pas le choix, c'est vraiment par là. Ah putain, t'es passé derrière un mur toi? Sérieux là aussi? Pas obligé de se forcer à faire ça. Ça par contre ça m'a pas l'air... Ah si putain. Ah, ça m'a l'air d'être la mort là.
Ah putain. Ok. Mon méchant sandwiché. Caillou et Yang ont très bien joué. Ont fait des excellents runs effectivement sur SteamWorld Dig. Si vous voulez voir du beau jeu, je vous recommande de les voir ensuite. Hein, ils ont une route légèrement différente de la mienne. Légèrement meilleure. Ce qui veut aussi dire que c'est encore largement améliorable. Et que je m'y remettrai un jour. Et quand je m'y remettrai, je les battrai, voilà. C'est dit, les grands mots sont lâchés. Mais ouais, c'est grave cool pour la communauté et tout. C'est-à-dire que ça bouge, que les mecs se motivent. C'est en effet très sympa. Hop là. Très sympa, très sympa. Alors, il y avait ça en haut. Salut CNN. Oui, alors j'ai réussi à passer Rhodotus avec la route du speedrun un peu plus farmée. Et on va essayer de refaire la même aujourd'hui, tranquillement. Mais là je galère. Là. Pour une raison qui m'échappe. Moi, je n'ai pas le temps de grind, hélas. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. What? Mais c'est bientôt fini? C'est bientôt fini, les conneries? Allô? Putain... Ah, ce jeu, je vous jure. Ah, t'as pibi sur SteamWorld League ou sur SteamWorld League sans doute. Parce que 38-35 sur Rogue Legacy, c'est la classe, je peux te dire. Mais j'imagine que c'est sur Rogue Legacy. Hop là. Ouais, c'est celle de l'enfer là. Ah, fantastique. Oh waouh. Je pensais vraiment pas que ça me toucherait ça. Ah putain, ça non plus. Quel bourrin. Mais je fais tellement bugger le jeu tout le temps, c'est sérieusement, c'est formidable. Hein. Faut pas trop aller dans les menus, je crois. Ah, les gens qui essayent de virer CDV du top 10. Formidable, bravo. Bravo à eux, on les encourage. C'est des gens importants. Parce que ça prend un effort collectif, hein. On ne peut pas virer du CDV du top 10 si on n'est pas au moins 10. Ça semble logique.
Ah putain, c'est tellement grand comme ça là. Amusant. Putain, cassez-vous, voilà. Formidable. Suffit que je crée des comptes et que je mette des temps. Ça me semble pas très fair play ça comme attitude, monsieur Darky Squall. Mais ça me semble aussi assez exact, en effet. Putain! T'as vu des X-Raiders comme ça? Ah, il y a un barbare, c'est formidable. C'est pas du tout fair play. En effet! Et c'est même interdit, c'est même du mensonge. Les gens bien pensants te le diraient. Bah non. Casse-toi. Formidable. Parfait. Pas sûr que ça suffise. J'ai pas eu le prix. Celui qui kève. Ah ah ah. T'as raison, t'as raison. Allez, ça joue assez mal ce soir, écoute. Du coup, tu n'apprendras rien. Putain. Ça tanque les dégâts comme un con. Fait n'importe quoi. Conseil numéro 1, ne pas jouer comme moi, surtout. Conseil numéro 2, beaucoup utiliser la carte. Tu vois, tu es naïf, Kekem. Ah, formidable. Oh, ah ça c'est très très chanceux. La petite upgrade de force gratuite. Ça commence bien, cette run commence bien. Oui. Attention. Voilà, il faut pas se faire toucher, conseil numéro 1.
prendre son temps plutôt que mourir. Conseil numéro 2, apprendre les patterns. Rogue Legacy, un jeu d'endurance plus qu'un jeu de sprint, donc vaut mieux voilà, jouer doucement. Ah putain. Attention. Easy. Donc nous sommes riches. Extrêmement riches même. Tabalaboum. Ah, une upgrade de vie, une upgrade d'armure. Pourquoi pas. Toupoudouboum. Eh mais eh, mine de rien, c'est vraiment comme ça qu'il faut jouer, hein. Faut pas se faire toucher. Alors ça paraît évident, évidemment, ça fait ah ah conseil évident. En vrai, c'est pas si évident que ça. C'est comme Meat Boy, pour aller vite, la première règle, c'est un peu ne pas mourir, quoi. Et c'est évidemment, tu vois, normalement, t'as pas, si t'as besoin de le dire, c'est qu'il y a un problème. En vrai, il faut, ça veut dire qu'il faut pas se focaliser sur d'autres choses que ne pas se faire toucher au début. Et ça, c'est pas forcément évident et hyper important en fait. Genre faut pas se focaliser sur l'or ou rien, non, tu juste essayes de pas te faire toucher et tu joueras bien. C'est dingue hein. Recule. Merci. Et ça veut dire bah, bien connaître les patterns des ennemis, savoir où sont les moments où tu peux en fait attaquer. Quels ennemis vont te tuer, tout ça. Savoir que la caméra fait n'importe quoi dans ce jeu. Ah bah putain, j'avais pas vu ça. Faire attention aux sous les ennemis, bien regarder autour de soi. Ah putain. Putain, c'est de la merde. Utiliser à son avantage le fait que, par exemple, les choses ne respawnent pas. Tout ça. Allez, 2700. C'est bien d'avoir beaucoup d'argent dans ce jeu aussi. Mais c'est... Voilà. Oh là, c'était mauvais ça. Salut Volvi, comment ça. Salut Vargale. Le mage, le mage, le mage. Eh ben, j'imagine qu'on va prendre un mage qui court vite, hein. Ensuite, nous allons upgrader... les dégâts. C'est pas mal. Et donc là, technique, pas de speedrun. Ah, est-ce que je fais la technique... Allez, on fait la technique du speedrun. J'ai bien farmé déjà. Salut Martel. Donc, technique de speedrun, on sacrifie son farm pour la vitesse. Ça, c'est pas forcément la bonne idée. Mais on devrait s'en sortir. Allez. Ah putain, j'ai oublié que j'étais un mage. Du coup, je l'ai one-shot certainement pas. Je suis un peu déjà mort, hein, mais c'est pas grave. On y va quand même. Ah, très important ça. Et donc nous allons descendre.
dans la forêt de l'enfer? Non, certainement pas. J'ai dit descendre dans la forêt de l'enfer, pas descendre n'importe où. Hop, des petits Zerodotus mignons. Ah, fantastique! Nous n'avons plus de... Ah! Et là, haute technique de speedrun, on ne prend pas les coffres. Très, très important. Ah, ça, par contre, c'est cool. On va aller, du coup, faire Alexander avec la flemme barrière. Et ça, c'est possible qu'on y arrive. Rien que parce que les flammes, ça fait des dégâts. Et on peut peut-être faire du crowd control suffisant. Et peut-être pas en fait. Mais bon, on aura essayé. On aura porté nos baloches. Ah voilà. Donc évidemment, c'est ça le problème avec Alexander. Quand on fait pas de dégâts, qu'on peut pas crowd control, et ben ça fait n'importe quoi. Le paladin c'est bien. Le shinobi, le knave c'est peut-être mieux. Ah, est-ce que je peux upgrader quelque chose tant qu'à faire? Non. Ok. On y va. Donc, évidemment, je n'ai pas de shinobi. Donc, on va plutôt aller explorer les mayas. Ah putain, je suis déjà mort. Ça commence bien. Bébé. Qu'est-ce que c'est que cette salle? Ah, de formidable, le carnaval. Alors. Non, ça va pas suffire. Caf, c'est bien d'apprendre les patterns, hein, évidemment. Ah bah tiens, 100 gratuits. Formidable. Ah, bien ça. Hop. Donc il faut monter. Oh putain la vache. Donc là c'est mieux de prendre un barbare évidemment. J'aurais dû prendre le paladin mais j'ai pas bien réfléchi. Le mage, le paladin. Et donc on va continuer. Et là, subtilité. Est-ce qu'on upgrade un truc? Non, le seul truc qu'il faut upgrader c'est les dégâts. Donc on upgrade rien. Upgrader à ce niveau là en fait ça nous ferait baisser. Ça ne ferait que nous faire baisser le rank. Non mais ça ferait que nous faire baisser augmenter la difficulté, on va dire. Et c'est là qu'on se heurte un peu au côté roguelike du jeu, c'est que... Ah putain, ta gueule. Bon, on est un peu voué à chercher quand même dans le... connard. Dans le château, on est obligé de chercher les boss. Et c'est un peu la misère. Mais on récupère de l'information. Et par exemple, maintenant, on sait qu'il faut monter. Putain, comment je monte? Putain, c'est impossible! Ah, mais c'est absolument infaisable! Bon, j'avoue que ça donne envie parce que ça, c'est un peu le match-up contre Alexander. Donc, on va aller le faire. Tranquillement. Ah.
Allez, on le bouffe. Donc là, ça va pas trop poser de problème pour pas mal de raisons. Ah putain. Mais. Par contre, ectomorphe, ça aide pas, c'est sûr, mais... On aurait quand même être pas trop mal. Voilà. Facile, hein, le match-up, évidemment. Alexander contre les... Ah bah tiens. Allez, un embout de la vie, c'est pas trop mal la vie. On n'est pas trop dégoûté. Hop, on split. Donc ouais, hein, facile, le géant c'est facile évidemment. Pas de grande fierté de ma part. Là, pareil, on va pouvoir tout buter assez facilement. Hop. Donc là, faut descendre. Là, faut descendre vers le bas, du coup. La descente, hein, en général, c'est dans un espace vertical. Tout ça. Ah. Ok, pas vers là. Pas vers là non plus. Squire Cape, je sais plus si ça sert. Dans le doute, on va dire que c'est chanceux. Hop là. Non, ok. Ah bah formidable. Ah voilà. Oh merde, j'ai pas trouvé le TP. Ah, c'est pas grave. Allez, donnez-moi un barbare. Voilà. Le barbare, c'est bien. Le barbare endomorphe, c'est même mieux, j'ai envie de dire. Alors, dis-moi, la cape, elle fait quoi? Les gants, on s'en fout. Ouais, c'est de la merde. Ok. Donc maintenant, on sait où est la Land of Darkness, mais on sait qu'on n'a pas trop le TP, et donc on est un peu con. C'est pas grave. On s'est fait one shot. C'est formidable. Et donc là, on va aller monter. Montons encore une fois vers le haut. Je pense que c'est plus simple de monter par là, bizarrement. Tellement l'autre salle là-bas, c'est un peu la salle de l'enfer. Donc voilà, hein, le conseil, ne pas se faire toucher, c'est quand même un vrai conseil. C'est bizarre, mais... Essayer de connaître au mieux les patterns. Bon bah j'y arriverai pas. Ah, comme ça peut-être. Ah, c'est comme ça en fait. Ok, c'est un peu contre-intuitif. Vous faites chier les mecs. Ah mais oui, évidemment ça, il faut pas le faire comme ça. Ok. Ah putain, no fighting. Super, no fighting. Ça c'est des salles gratuites. Ah bah voilà. Très bien. Du coup maintenant, on descend vers le bas. On descend vers le bas. C'est un peu de la journée des pléonasmes. Hop là. Et comme on a monté de niveau maintenant, monter vers le haut.
Tac, tac. C'est marrant comme monter peut aussi vouloir dire s'améliorer en français. On monte de niveau. Les trucs rigolos. C'est pas hyper rigolo, mais voilà, c'est un fait. Oh, le décès. Donc là, deux choix. Soit nous avons un shinobi. Voilà, shinobi nostalgique. On va prendre celui-là. Il n'est pas nostalgique. Avec 400, on fait rien, évidemment. Pim, pa, la, poum, pa, pa, poum, pa, la, poum. Et nous allons poutrer Ponce de Lion. Voilà. Fantastique. Ouais, c'est un peu con de prendre ça, mais c'est pas grave. Alors, Ponce de Léon, la stratégie, c'est de pas se faire toucher. Non, pour le coup, ça, c'est un boss sur lequel j'ai un peu galéré. Truc important numéro 1, savoir où sont ces boules à pique. Truc important numéro 2, attire ce coin dans les coins. Voilà, et une fois que vous faites cette boucle là, vous êtes bon. Et ensuite il faut le taper un peu que je suis dans la merde. Voilà, c'est certainement pas comme ça qu'il faut le faire. Et vous le tapez uniquement quand vous pouvez, pas la peine de forcer, hein. C'est pas grave. Si vous pouvez pas le taper, voilà, c'est pas important. Et évidemment, ensuite, il faut toujours se plaindre de où sont les picous. Voilà, facile. Ouais, c'est un peu la meilleure chanson du jeu, mais elle dure pas très longtemps, du coup, hein, évidemment. On essaye de l'expédier le plus possible. Voilà. Ah, des dégâts, formidable. Et nous sommes à... Voilà, nous avons fait Ponce de Léon, sans se faire toucher, le perfect, à 30 minutes de jeu. Moi, je dis, c'est pas mal. Et on, là, on est riche, encore une fois, hein, on triche pas, et on est riche. Et là, on fait vraiment beaucoup de dégâts aussi, ça c'est cool. Ah, putain, par contre, on se prend la sauce aussi. Encore une fois, hein, faut pas se faire toucher, parce que quand on est shinobi, bah, on met longtemps à se régénérer. Les poulets ne donnant que... Oh, ta mère! 10% de la vie, et quelle que soit notre vie. Hop. Et bah on met un peu longtemps à se regen en tant que shinobi. Alors ici nous avons ça. Ici nous avons ça. Ah mais pourquoi je fonce dedans? Voyons. Il faut arrêter de se faire toucher hein. La Land of Darkness ça rigole moyen. Bon on va faire ça du coup. Ça semble pas trop dur. Non. Ah, amusant. Très amusant. Là, il y a deux monstres. C'est tout? Hein. Ouais, ça me fait chier. Je sens que je vais me faire sniper à l'infini, ça m'emmerde. Mais au moins, on n'a plus besoin de faire cette salle jamais, ce qui est cool. Hop là. Ah putain. Salut Sly Lobster, comment ça va? Et donc là on prend surtout pas un shinobi, on prend voilà ça. Paladin ectomorphe, blâme. Je pense pas qu'on ait débloqué des trucs. Et là, bah là c'est un peu la question, est-ce qu'on va mettre une heure, est-ce qu'on va mettre 50 heures pour tuer Rhodotus hein. Normalement on met pas trop longtemps, quand même.
Ah! Putain, vous êtes sérieux? C'est dégueulasse, moi je vous dis, monsieur. Hop là. Skyrun pour les Bracers, c'est sympa tout plein. Alors. D'accord, c'est une run gratuite. J'y crois pas trop au truc gratuit, voilà. Je crois surtout aux zombies qui sortent du sol au moment inopportun. Oh, le boss tout de suite, ça c'est cool. Alors. Le boss tout de suite, ça c'est cool. Ouais, bon, allons-y, hein. Ouais, ça va mieux qu'hier. Salut Reworks. On est plus en forme, on a bien bossé toute la journée, on s'est pas trop pris la tête, ça avance. Ah, donc avec le paladin, nous avons. Nous trois chotons pas du tout. Donc le paladin n'a aucun intérêt dans cette fight, dans cette configuration. Là, j'ai pas eu. J'ai pas assez acheté assez de dégâts. Donc voilà, c'est bon à savoir. Alors là, mon match-up, c'est Shinobi géant Piedi. C'est un peu beaucoup demandé, hein, j'avoue. Mais c'est ça. Ensuite, on peut avoir moins. Hein. On n'est pas obligé d'avoir le match-up parfait pour tuer Herodotus. Mais néanmoins, ça aide. Ah putain! Je me suis fait retoucher. Se faire toucher par les mages, c'est le plus punitif. Oh putain! Comme vous pouvez le voir, j'ai pris un peu moins de dégâts de la part du blob quand il m'a touché. Voilà, fantastique. Comme ça, j'ai pas activé le TP. Le TP s'active tout seul. Nearsighted, Naïve Endomorph. Non, allez, on continue. En Shinobi, je n'ai pas besoin de prendre les TP pour qu'ils soient validés. Hein. Ah, et donc là, c'est un peu le grind Herodotus. Ça devrait prendre une demi-heure à peu près. Parce qu'il faut le bon match-up. Joke, ah, ok. Il faut un peu soit attendre le bon match-up, soit espérer. J'espère que je deux-shot Herodotus. Si je deux-shot pas Herodotus, on ira farmer. Parce que c'est très important avec le shinobi de tuer un blob en deux coups. Mais voilà, ouais, c'est le cas. Et du coup, là, ça devrait pas être trop mal. Ouais, si lui vient, évidemment. Donc, les ennemis dans ce jeu font n'importe quoi. Hein. Dans cette fight, en tout cas. Très clairement. Et voilà. Hein, et voilà. Et donc, on essaye le plus possible d'éviter le centre. Oh là là, là 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 là. Ouh, c'était pas ça que je voulais faire. Et on utilise, évidemment, les... voilà. Les dashs, les doubles sauts pour aller d'un côté à l'autre. Tranquillement. Hop. Et on essaye d'avoir le moins de trucs possible sur la map. Donc de spawn le moins de petits minions. Évidemment, sauf s'ils font chier. Putain! Et j'ai le droit à très peu d'erreurs, comme vous pouvez le voir. Sur le diagramme présent. Ah putain, évidemment. En fait, tu vas battre ton Sum of Bust avec un PB, mais j'ai pas de PB, hein, comme vous pouvez le constater. Je suis un barbare dyslexique. J'ai jamais fini le jeu. Hein, Et déjà, si on arrive à buter Johannes aujourd'hui, en moins de 3 heures, là, on serait content. En vrai. Mais 32 à Ponce de Léon, j'en suis pas trop déçu. Hein. Ça aurait été mieux si j'avais... Ah putain, 5 coups, ouais, il manque une upgrade de dégâts en fait, pour que ça soit bien. Du coup là, le barbare, c'est vraiment très compliqué. Hein. Du coup avec le barbare, c'est un peu, bah, tape quand tu peux et déjà ça sera pas mal parce que... Au moins c'est que 3 coups sur eux, je sais pas. Parce qu'il leur faut tellement de coups, ça va être une fight extrêmement longue, voilà. Faut surtout pas se faire toucher. Ah putain. Ouais, c'est pas mon match-up tout ça. Je peux vraiment pas avec un... Au moins non mais 3 coups sur eux, ça c'est pas si mal. C'est vraiment les mages qui sont embêtants dans cette fight. Si j'arrive à bien jouer sur la suite, sur le reste...
Non mais te retourne pas comme ça toi, voyons. Ah putain. Et on prend sa sauce à tous les coups, tous les coins de rue. Ah pas mal ça par contre, si les gens me dropent du poulet, je suis content. Donc là on a peut-être, on va peut-être pouvoir survivre un coup en plus. J'aime bien quand les blobs accélèrent à l'infini comme ça, ça me fait plaisir. Ouais, donc là, le problème, c'est comme j'ai... Ah, putain, j'ai sauté dedans. Ah, désolé. Allez, on espère le gros shinobi. Le shinobi Eidetic Memory. Allez, le shinobi chauve. J'aime bien les shinobi chauves, je vois plus de choses affichées à l'écran. Donc on est niveau 21, donc c'est le niveau normal en fait. Là pour le coup j'ai vraiment pas farmé. Je me suis donné du mal pour aller le plus vite possible. Et là on essaye, ouais, de... Avec un shinobi il faut vraiment essayer d'aller doucement. Parce que ça ira toujours plus vite qu'avec un barbare, donc on est tranquille en fait. Pas besoin de se... Ah putain, forcer comme ça, voilà, je sais pas ce que j'ai essayé de faire là. C'était vraiment pas bon. Ah putain. Ah, excusez-moi. J'ai pourtant essayé, mais de temps en temps, quand ça part mal... Ah, un mage géant, pourquoi pas. Pour l'entraînement, évidemment, je vais pas aller bien loin. Tout ce qu'il faudrait avec un mage du coup c'est dextrocardia pour avoir les 165 HP, du coup ça fait un peu comme un paladin. Mais là je vais donner 7 coups au truc, c'est vraiment de la merde. Mais voilà, pour l'entraînement on va essayer de faire durer quand même. Brouink. 3, 4, 5, 6, 7 coups. Le premier coup, le premier sang. Ah, le deuxième sang. Ouais, dur, hein. Dur le paladin. Le dur le mage, même en étant grand. Un gros knave, c'est mieux. Ah, ça, c'est parfait. Le match-up. Allez, on y va. Alors, en fait, Sly Lobster, c'est que si je prends les deux coffres, ça va. Je vais perdre beaucoup d'argent. Peut-être que sur les deux coffres, soit je peux pas prendre d'upgrade, soit je peux prendre. Juste une upgrade, mais ça m'étonnerait. Je pense que sur les deux coffres, je peux pas prendre une upgrade. Du coup, j'attends l'argent du boss fight que je vais cumuler à l'argent des deux coffres. Ce qui va me permettre d'aller un peu plus loin. J'optimise mon argent parce que de toute façon, l'argent que je vais utiliser, je vais le perdre. Bon, allez, là on se concentre parce que c'est le match-up. Shinobi et Ectomorph. Piedi. Donc, Piedi, c'est bien parce que voilà, je peux marcher sur les pics. Voilà, et donc l'idée, c'est justement de pas faire ça, de pas se faire. Encerclé. Exactement, pas comme ça, voilà. Parfait. Voilà, et du coup on va attendre. Et l'astuce, voilà. L'astuce avec un ectomorphe comme ça, c'est que à cette taille là je peux les enchaîner. Et voilà, et tuer pas mal de petits bouts très très vite. Le mieux c'est évidemment avec un géant Piedi. Voilà, mais du coup là on est très très bien. Voyez, il y a déjà plus que ça. Là, j'ai un peu merdé, c'est pas grave. Ah putain.
Voilà. Non, non, il s'est pas retourné. Putain, il s'est pas retourné. Ah, il s'est pas retourné. Fait chier, c'était bien ça. Ouais, je peux pas utiliser ce mec-là. Lui, il est clumsy, du coup, il va péter les briques. Ah, j'avais quasiment gagné, là. Il s'est vraiment pas retourné au moment où je lui ai demandé de se retourner. Mais c'est la maniabilité du jeu qui est comme ça. Quand vous donnez un coup et puis que vous retournez, voilà, vous reculez un peu, vous faites un dash en arrière. Et voilà, il faut donner un coup, attendre de donner un autre coup. Ah putain, c'était bien quoi. Mais c'est pas un bug, hein, c'est plutôt une feature. C'est vraiment le fait que tu peux donner un coup et reculer. Voilà, mais là c'est vraiment pas le match-up. Donc c'est un peu con. Parce que clumsy, vous allez voir, dès que je vais sauter sur une caisse, démonstration, je saute sur une caisse, hop, je la détruis. Et du coup, ça c'est hyper gênant. Parce que les caisses que j'ai envie d'utiliser au sol, bah, je peux pas les utiliser. Donc je vais faire un peu n'importe quoi. Et ça c'est très chiant. Ah putain, évidemment en plus. Du coup c'est pas cool. Voilà, dès que je touche une caisse, elle est morte. C'est pas sympa, j'aime bien les caisses dans ce... Le boss fight design a été quand même pensé avec des caisses exprès. Hop là. Mais ouais, le shinobi du coup... Ah merde. Salut Maki, comment ça va? Hypochondriaque, qu'est-ce que je raconte? Hyperchondriaque, c'est l'inverse, c'est quand vous ne jetez jamais, vous ne vous sentez jamais malade. Eh ben on continue, hein. Donc le principe avec le shinobi, c'est je prends mon temps sur les blocs. Il y a 5 niveaux sur les blobs. Il y a très gros, moyen, moyen petit, petit et très petit. Et en fait sur l'avant-dernière taille, en gros, il faut bourrer. C'est ça la technique du shinobi. Et c'est ça que permet le fait de tuer les blobs en deux coups. Attention à ça. Très, très gênant de faire des droits de gauche au-dessus parce que c'est pas très permissif. Voilà, hop. Ah putain, il m'a sauté dessus. Enfin, plutôt dessous techniquement d'ailleurs. Ah, voilà. Bon, c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais là je suis tellement coincé. On essaye, voilà. Et donc il faut essayer d'avoir un gros shinobi. Bon, on va prendre le shinobi avec le glaucome. On a vu tout à l'heure que les mages étaient absolument inutiles. Mais je... si on retombe sur un match-up, on peut le faire en moins d'une heure. Si. R. Abraham, comment ça va? J'ai pas vu de submission sur 1000 Spikes depuis longtemps. J'ai vu Prosper qui s'y mettait, il y a Yang qui s'y est mis. Vous êtes des bons joueurs et vous me faites un peu peur. Du coup, si je veux garder un semblant de dignité, va falloir que je joue bien. Et c'est pas facile. Alors, où es-tu? Et donc, voilà, il y a le problème dans ce jeu que les ennemis ne sont pas attirés depuis tous les bords de salle. Oula, attention à ça. Attention à ça aussi. Et attention. Ah putain, je me fais enchaîner là, c'est pas cool. Donc là, j'ai sans doute perdu, hein. Voilà. Donc facile, hein, de tuer les méchants mages. Deux coups et ça suffit. Hop, mais faut faire attention à la chute en fait. Le problème, c'est pas tellement de donner des coups. C'est ce qui suit, c'est le bordel qu'on crée autour parce qu'on se met en vulnérabilité pour pouvoir donner un coup. Et ça là c'est un peu le bordel, j'avoue tout. Voilà. Fantastique. Fait chier. Ah voilà. Ah, les examens approchent évidemment, hein. Prioriser les études, c'est bien. Alors, le shinobi endomorphe, le paladin géant, les deux shinobi endomorphes, lequel a le physique le plus classe? On va prendre celui-là.
Donc le Shinobi Endomorph, c'est cool parce qu'on a une plus grosse hitbox, donc c'est un peu ce que j'avais tout à l'heure. J'avais pu abuser Piedi tout à l'heure, mais j'avais pas réussi à victoriser. Essayons de victoriser sans Piedi cette fois-ci. Allons-y, allons-y. On peut y arriver là. Mais on a vraiment pas beaucoup de vie. Allez. Voilà. Ah, oh là, attention. Les petits droits de gauche étranges du jeu. Hop là. Donc là, évidemment, hein, tuer les petits blobs, pas les gros, pas les gros. Donc les petits blobs, il n'y a plus qu'un coup à leur donner. Hop là. Oh là là, attention à ça. Ah bah, n'importe quoi. Les bonus malus sont assez rares en général, donc c'est plutôt bien distribué. On va prendre le truc qui marche plus vite. Donc voilà, ouais, je me suis fait coincer, hein, et j'ai mal joué avec les piques. En fait, ouais, j'ai pas trop le réflexe encore de bien faire le saut au-dessus des piques. Il faut toucher les piques, ressauter et tout de suite. Et là, je ne l'ai pas fait. Du coup, c'est la mort. Mais si, si, je joue avec la version, avec une version tout à fait normale. Hein, donc, il y a tous les bonus, malus, auxquels vous pouvez penser. Classique 2. Attention à ça. La version Steam de Rogue Legacy. Donc là, je bouge bien vite, ce qui peut être pratique, par exemple, au-dessus des pics. Et pour éviter les putains de pics. Attention à tout ça. Attention à tout ça. Donc évidemment, hein, essayez de se débarrasser des vilains petits blobs le plus vite possible. Ouf, j'ai pas compris comment je me suis pas fait toucher là, pour être honnête. Ah, là je me suis fait toucher, c'est pas terrible. Mais c'est le premier dégât qu'on prend, c'est pas mal. Voilà. Alors ensuite, qui est le plus petit de vous deux? C'est toi, je crois. Hop, le décès. Ah non, 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 et oh, oh, ça se passe pas mal là. On arrête de se faire toucher maintenant. Voilà, plus qu'un coup. Voilà, on est à la moitié de la fight, mais c'est la deuxième moitié la plus facile parce que voilà, on va tuer ça et du coup, il n'y a plus de deuxième gros blob qui nous emmerde. Ça, c'est cool. Non, 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 pourquoi t'as fait... Comment il a fait ça? Ah, salut Yugolas, comment ça va? Ah, le Shinobi géant, voilà le match-up dont je rêve. C'est avec ça que j'ai battu Herodotus la dernière fois et c'est avec ça que je le rebattrai aujourd'hui. Et oui, oui, il faut prendre le PID, hein, donc le bonus PID, c'est les bouts des artères insensibles, hein, et du coup, périphérales, voilà, artères et désordres, hein. Et du coup, les piques ne... Le micro est revenu, pardon, excusez-moi. Le micro s'en va. Dans ce jeu, le micro dit non. Donc ouais, je dis, hein, le pied est dit, c'est bien, effectivement. On essaye de le prendre, mais on me le propose pas tout le temps. Et de toute façon, je prendrai un shinobi si j'ai un shinobi. Donc le pied dit, c'est un peu le bonus shinobi et pas l'inverse. Peut-être à la limite un paladin pied dit, mais je resterai sur ma position en disant que
reste quand même mieux d'avoir un géant qu'un Piedi. Ah, remarque, Piedi. Ah, j'aurais du mal à choisir entre un Piedi. Ah, j'ai bouffé ça. C'était pas forcément le bon choix. Putain, cassez-vous. Laissez-moi le choix. Je veux mon choix, c'est mon choix. Allez, casse-toi. C'est compliqué. On est bon. Oh non, mais j'avance pas assez. Ah là là, salut Reborn D. What's up? Ah, je joue mal, hein. Ah, un gros... Ouais, il vaut mieux un gros Knave qu'un petit... Le Knave a une classe un peu bâtarde qui fait des gros critiques quand il fait des critiques, mais j'ai tellement petite chance de faire des critiques, c'est beaucoup mieux Shinobi. Nesbill, c'est un réflexe, évidemment, il n'y a pas deux raisons, je vais pas vous le faire là. Mais j'aime bien taper, en fait, c'est le réflexe de sauter puis taper qui m'est assez naturel, parce que c'est comme ça qu'on fight les boss, vaut mieux taper en l'air, de donner plus de flexibilité. Parce que quand tu tapes en l'air, tu peux te retourner plus vite. Tu peux te retourner dès que tu touches le sol, il me semble. En tout cas, naturellement, je tape en l'air. Et c'est peut-être une mauvaise idée. Ah putain, mais il faut que je bouge plus sur ces putains de pics, hein. Je me fais bien trop avoir. Pourquoi le gros tas est meilleur contre le boss? Bah, parce que plus tu tapes fort, moins ça dure longtemps. Évidemment, le Knave ne sert à rien. Mais ouais, les boss fights dans Rogue Legacy sont des marathons plus que des sprints. Et il faut essayer de faire durer le marathon le plus longtemps possible pour conserver sa santé mentale. Et le géant, c'est parce que bah, dans ce jeu, en fait, c'est un peu le jeu de la... excusez-moi, j'ai encore détruit la statue. C'est un peu le jeu de la hitbox. Et du coup, c'est vachement important de d'avoir plus de portée. Que le méchant. Et du coup ça permet de bourrer à mort, ce que ne permettent pas les autres. Parce qu'il y a un peu aucun malus à être géant, à part le fait que t'as une trop plus grosse hitbox. Mais le fait que ça veuille aussi dire que t'as une plus grande portée est vraiment très intéressant. Voilà, donc en fait ce boss, hein, c'est un boss d'esquive à la con. Attention à ça. Donc le tout, c'est de voir arriver les blobs. Et comme je suis nostalgique, je ne vois rien arriver. Putain, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, évidemment, là. Le rebond avec le down dash, c'était avec l'attaque vers le bas, c'était pas voulu. Tac, tac. Et voilà. Salut Etibox. Salut Westbane, comment ça va? Ouais, bah j'avais une bonne série de Shinobi là. Hein. Shinobi, 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 Shinobi. Donc évidemment, au bout d'un moment, on va arrêter de m'en proposer. Donc on va faire Paladin et on va... Non, Paladin Clumsy, c'est complètement con. On va aller se suicider du coup. Salut Brutus, congratulations pour ton PB sur SteamWorld League. Allez, tuez-moi. Tue-moi. Voilà, fantastique. Le Shinobi endomorphe. Le Shinobi endomorphe, on a dit, c'est pas mal, hein. Le pibi du charisme. On arrive à une heure de jeu et on se fight déjà depuis contre Herodotus depuis 26 minutes. C'est là qu'on voit que c'est pas trop mal. Mais ça serait bien que ça s'arrête aussi. C'est comme toutes les meilleures choses ont une fin. Ce qui est un proverbe de merde, hein, les meilleures choses pourraient être infinies, la vie et tout ça. Mais non, il faut... Quelqu'un a dit... Que si ça dure trop longtemps, c'est pas bien. Voilà, merci, fantastique. La sagesse populaire peut aller se faire foutre, évidemment, hein. Je déteste ce genre de proverbe à la con.
Et je me suis déjà fait toucher, ce qui est un peu mauvais. Ah putain! Ouais, c'est mort. Salut Kanoé. Tu dépop. Désolé pour mon record du monde. Alors, encore une fois, hein, ça c'est un truc amusant, mais. En tout cas, j'ai vu beaucoup de gens dans le speedrun qui s'en foutent des records du monde. Ah oui, vous pouvez backseat comme tous les soirs, évidemment. Ensuite, vous risquez de vous faire incendier. C'est à vos risques. Le backseat gaming est à vos risques et périls. Non, je prends les choses plutôt bien ce soir, du coup, tout va bien. Ensuite, je suis de bonne humeur, tout ça, vous inquiétez pas. Oui, du coup, évidemment, on va pas être désolé pour un record du monde, c'est bien quand les records du monde sont battus. En plus, c'est parce que Yang et Caillou ont bossé sur une nouvelle stratégie, hein, qui est d'éviter une cave que je prenais pour la sécurité. Du coup, bah, c'est cool, hein, ça veut dire déjà que bah, je peux battre mon propre temps, ce qui est sympa. Ça me remotive pour rejouer plus au jeu, ce qui est sympa aussi. Et ça veut pas dire que mon temps est pas bon, et ça reste le même temps, hein. Donc si vous pensiez que mon temps était pas bon, fallait me le dire avant que quelqu'un le batte. Parce que sinon c'est un peu curieux, voilà. Donc il n'y a pas de désolé à avoir. C'est un record du monde qui a tenu quand même 3 semaines sur une communauté qui s'est aussi élargie. Oh putain, vous êtes sérieux? Ah, alors, non, c'est dommage, c'est un paladin, ça aurait été bien. On n'a pas un petit shinobi PAD du coup, corporalalia, hypergonadisme. Ah, ça peut être pas mal ça. Ouais, exactement, ça motive et les records du monde sont faits pour tomber, exactement. Et vous remarquerez, en général, j'essaye de pas. Mes vidéos, mes highlights YouTube ont pas record du monde dessus. Le seul truc qui fait chier quand on a record du monde et qu'on y est trop attaché, c'est que du coup, il faut aller enlever record du monde sur toutes vos highlights YouTube. non, là, en général, j'essaye juste de foutre mes temps. Ça me fait marrer les leaderboards, mais j'essaye pas non plus d'en avoir une fierté improbable. Voilà quoi. Du coup, c'est pour ça, hein, moi je suis... Oh putain, la vache. C'était bien joué. Je suis shinobi là, oui, je suis shinobi, tout va bien, tout va bien. Eh oh, je voulais pas du tout faire ça. Oh la vache, oh la vache, oh la vache. Ok, on est bon. On est bon, mais il y a du pop maintenant. Hein. Ouais, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Ouais, 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 mais par exemple, moi, je préfère... Ah, le Shinobi Kyubi est très bien. Je préfère largement le run d'Exo au run, au nouveau speedrun de Super Meat Boy. Il m'impressionne toujours plus. Enfin, remarque, les derniers runs de Vorpal sont vraiment extrêmement intéressants techniquement, mais je sais pas, j'aime beaucoup le run d'Exo. Il y a des... Il n'y a pas le Brownie Skip, il y a des trucs en moins, ce qui explique aussi la différence de temps. Et j'aime beaucoup ce qu'Exo a fait sur ce jeu. Donc voilà. Ensuite, pareil, c'est un peu prétentieux peut-être, mais je trouve que mon run de le Rayman Origins, mon meilleur temps, est meilleur entre guillemets. Ah, mais j'ai PAD, qu'est-ce que je m'emmerde, j'avais oublié. Ah, pas bien joué ça, j'ai joué un peu avec le feu, c'est pas grave. Voilà, donc la technique avec PAD, c'est un peu de bourriner quand même. Il est où le petit? Il est... Oh, ouh, je croyais que t'étais mort. Oh, j'ai trop mal joué. J'ai tellement mal joué. Ah, fait chier, putain. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadé qu'il allait mourir en un coup. Ah.
Évidemment, du coup, le speedrun, c'est ça, ça reste un... Ensuite, c'est un peu un dialogue de perdant, j'avoue. Mais je pense le run de Yang est meilleur que mon run, hein, évidemment. Il est beaucoup plus technique, plus abouti, il prend plus de risques, tout ça. Mais... Ouais, c'était très mal joué. Je dis pas ça, je compare pas évidemment mes runs au run d'Exo slash Vorpal évidemment. Hein, Yang n'est pas Vorpal et je ne suis pas Exo. Enfin, peut-être que Yang est Vorpal d'ailleurs, je m'en fous. C'est du skill. Et il a atteint d'ailleurs un très bon niveau de jeu, plus vite que moi, je pense, sur Steam en ligue. Mais voilà, ça veut aussi dire que bah. Putain, j'ai pris 6000 dégâts quoi. Alors que mes HP max c'est 225, c'est quand même formidable ce jeu. Allez. Ah mais pourquoi je saute pas? Je touche les pics, je saute, point final. Je touche les pics, je saute. Bientôt fini de faire n'importe quoi. Ouais, pour du poulet en plus. Ah, ça joue mal, hein. Ah la vache, ça joue très mal. Ça joue bien trop mal pour être vrai. Hein ? Sur ce boss, le seul réflexe qu'il faut prendre, c'est que tu touches les pics, tu sautes. Et comme ça, tu peux pas te faire toucher par les pics, quoi. Donc bon, un peu de décence, quoi. Ah! Ah! Voilà, c'était n'importe quoi. Salut Cradéon! Est-ce qu'on prend ADHD? Il bouge plus loin. Non, il tunnel vision, c'est trop chiant. En fait, ce qui se passe, c'est que ces mages ne se retournent pas complètement de tout en temps. Et du coup, salut Météotrix d'ailleurs. Et du coup, salut Bernard Ménez. Et du coup, un peu d'essence, ouais. Un peu de sang plomb. Un peu d'essence avec plomb, s'il vous plaît. Salut Name. Et voilà. Bon, alors, évidemment, ce soir, j'aurais dû faire du XCOM. C'est un peu le jeu qui manque le plus de pratique pour le Stunfest. Et je suis un peu stressé pour le stun. Je vais jouer sur la grande scène. Il faut vraiment que je prépare mes runs. Mais je le fais pas. Parce que c'est un peu comme ça. Ah, j'ai dit saute quand tu touches les pics! Bordel! Cul! Ah, trou de balle! Ah, Piedi, on recommence. On ne panique pas, nous avons Piedi, on se le rappelle. Waouh, on y va. Allez, on y va. Nous avons PAD. Technique avec PAD. On marche sur le sol le plus possible. On attend le méchant. Voilà. Oh là, attention. Ça veut pas dire marcher sur le sol le plus possible. Ça veut pas dire marcher que sur le sol gratuitement. Hein. Ça veut aussi dire savoir quand est-ce qu'on se décolle du sol. Hein. Attention à ça. Voilà. Voilà. Hein? Qu'est-ce que c'était que ce bruit, désolé. Pour les femmes et les enfants. Mais pour qu'est-ce que je raconte, bordel? Un peu plus de sexisme, s'il vous plaît, Twin. Mais c'était pas terrible comme bruit. En vrai, c'était un peu bizarre. Voilà, donc vous voyez hein, le bourrinage avec P.E.D. Shinobi. Ça fait plaisir. Voilà, allez, on y va. Et donc là, deuxième moitié. Une fois qu'on a P.E.D. Shinobi et qu'on arrive maintenant, importante stratégie, ne surtout pas bourriner.
prendre son temps, analyser la situation. Voilà, parce qu'on est bon en fait. On a forcément gagné si on ne meurt pas. Qu'est-ce que je raconte? Non mais vraiment, c'est le moment où il faut pas craquer psychologiquement en fait. C'est ça. Voilà, ça c'est bon. Boum! Tum 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 tabaram. Et du coup, nous allons là. Et voilà, on retourne au boss de truc. Et voyez le progrès, l'entraînement rigoureux. À quoi ça nous amène, hein? Très important. Tu as craqué? J'ai craqué, pardon, excusez-moi. Ah, non, voilà, là c'est bien. Et regardez, on a assez peu de descendants finalement. Donc là, l'animation ment, hein. On a beaucoup plus de descendants que ça. L'animation sera quasiment toujours la même, j'imagine, sauf si t'as très peu de.